C'est le sprint avant, c'est ce que va faire Contador. Alberto Contador, effectivement, qui anticipe juste avant le virage et les 200 derniers mètres. On va faire un demi-tour complet. Attention au virage. Pour l'instant, Warren Barguil, il a bien pris la roue de l'Espagnol. Il a lancé de très très loin, Alberto Contador. Allez, on ouvre la trajectoire ici pour ce demi-tour complet. Warren Barguil qui va déboucher avec de la vitesse. Alberto Contador à la corde. Warren Barguil à l'extérieur avec plus de vitesse que l'Espagnol peut-être. Warren Barguil en tête, une victoire française le 14 juillet ici à Foix. Néron Quintana qui tente de revenir, qui passe par une forme libre. Warren Barguil vainqueur à Foix, mais nous avons le meilleur grimpeur. Se relever derrière le jeune français. C'est Bocomelva qui va lancer la poursuite avec Egoïne Martinez dans la roue. Ivan Santarolita en troisième position, mais il y a toujours Warren Barguil, dis-moi devant. Il a 10-15 mètres d'avance, on va rentrer dans le dur de ce final. Ça va être compliqué pour Warren Barguil, mais ça se regarde encore. Personne ne veut relayer Bocomelva. Et oui, là maintenant on va se regarder. Ça peut permettre à Warren Barguil, s'il a encore des forces, de prendre quelques mètres d'avance. Bah, où est-il? On aimerait bien ça te regarde, il a fait le trou. Warren Barguil, ils sont en train de s'enterrer derrière Warren Barguil. Le voici, Warren Barguil, tout proche de toucher son rêve. Lui qui a remporté le Tour de l'Avenir l'année dernière, il dispute son premier grand tour. Il a été blessé et il rentre dans la partie montante de cette arrivée. Il est à 400 mètres, moins de 400 mètres, 250 mètres de la ligne. Il a encore une belle avance. Il va le faire, Warren Barguil. Il va s'imposer après sa vie pour soutien en 2011. En un Français va remporter l'étape de la Vuelta. Il y a eu Christophe Guillaume sur le Tour de France. Warren Barguil en finit. Warren Barguil va gagner, les amis. Victoire française aujourd'hui sur la 7ème étape de la Vuelta. Sous les yeux de son prédécesseur David Moncoutier, Warren Barguil s'impose et offre un bouquet à la France.